Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai eu plein de péripéties, donc je suis désolée. Ça fait un mois, même un peu plus d'un mois, que je n'ai pas publié de vidéo. Donc j'ai eu vraiment des soucis personnels. Je vous ferai, je pense, une vidéo explicative par rapport à ça. Donc voilà, du coup, on n'est pas là pour parler de ça là ce soir, enfin aujourd'hui, puisque la vidéo je la tourne le soir. Mais du coup, voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu, voilà, sans donner de détails pour l'instant, parce que ça va être très compliqué pour moi, donc voilà. Du coup, voilà, c'était le petit aparté. Du pourquoi je n'étais pas là depuis ce long moment. Voilà. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de livres de coloriage. Ça faisait longtemps que je voulais les acheter, ceux-là. Et du coup, j'avais faim. Chaque fois, je repoussais. Et je sais même pas pourquoi je repoussais, parce que du coup, là, je les ai. Et franchement, ils sont magnifiques. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est l'illustratrice Maude Lamoine. Elle fait des illustrations, mais de dingue. Franchement, de dingue. Donc, moi, j'ai directement pris le lot de 3. Donc, il est en réduction. Donc, du coup, voilà. J'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Donc, j'ai pris le lot de 3. Donc là, je vais vous en présenter un. Et après, je vous ferai une autre vidéo pour le deuxième et une autre vidéo pour le troisième. Donc, voilà. Du coup, je vous présente le premier. Enfin, après, ils sont pas forcément dans l'ordre où elle les a fait. Parce que là, celui-là, elle l'a fait en 2019. L'autre, il est en 2020. Donc, vous voyez, c'est vraiment. Voilà, j'en ai un autre aussi de 2019. Donc, voilà. Du coup, ils ne sont pas forcément dans l'ordre, mais dans l'ordre où j'aurais choisi de vous les présenter, hein, tout simplement. Donc, ça, là, c'est le Mystery. Celui-là. Franchement, cette image MS. En fait, c'est cette image-là qui m'a fait craquer. Quand j'ai vu cette image-là depuis des mois et des mois, du coup, voilà, j'ai craqué. Je me suis dit, il me les faut absolument. Bon, voilà, les effets derrière sont faits vraiment. Je sais pas si c'est numériquement ou directement elle qui les a coloriés, on va dire. Enfin, colorisés, parce que voilà, du coup, je sais pas. Mais en tout cas, elle est magnifique cette image. Donc désolée, vous allez voir, hein, c'est mon anneau en fait. J'ai enfin, voilà, c'était une de mes péripéties. Bon là, c'est vraiment la moins grave de tout ce qui a pu se passer durant ce mois-là. Mais voilà, c'est absolument rien. Mais j'ai mon anneau lumineux qui m'a lâché. Donc voilà, du coup, j'ai dû en racheter un autre. Et puis voilà. Donc là, je vais vous présenter. Donc c'est Artbook Coloring, le Mystery de Maude Lamoine. Donc vous allez voir les illustrations. Alors déjà, vous pouvez voir les livres. Tous ces livres sont disponibles sur Etsy. Et ils sont reliés comme ça par les petits anneaux, là, enfin, je sais plus comment on appelle ça. Donc, ils sont reliés comme ça. Là, les premières pages, enfin, là, sont brillantes. Elles sont épaisses, épaisses, vraiment. Voilà, du coup. Et ensuite, on arrive directement sur ce livre appartient à. Et après, vous mettez votre nom. Vous pouvez le coloriser. Si possible. Donc les coloriages sont tous rectos. Et en plus les pages sont vraiment très épaisses. Hein. Je ne sais pas si vous voyez.
La page est vraiment très très épaisse. Donc vous pouvez en faire tout ce que vous voulez dessus. Bon, en mettant une page peut-être pour si vous faites du feutre à alcool par exemple, ou une base de feutre à alcool ou quoi que ce soit. Voilà, mettre une page derrière pour au cas où. Mais voilà, on peut faire de l'aquarelle sans souci. Donc voilà. Du coup, là par exemple, voilà, les visages sont vraiment magnifiques. Voilà, il y a toujours des animaux. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, j'adore vraiment. Donc il y a 25 illustrations dans chacun de ces livres. Donc ce sont des portraits. Voilà, donc ça va me permettre, je pense, de faire des portraits, de m'entraîner, parce que du coup, c'est pas vraiment mon truc à moi, les portraits. Mais là, du coup, j'ai craqué sur cette illustratrice, on va dire. Ou dessinatrice, si vous voulez aussi. Donc voilà, il y a toujours un animal, hein, vous voyez là, par exemple. Voilà, c'est vraiment l'humain et l'animal, quoi. Donc là, on est dans l'Halloween avec le chat et tout ça. Mais voilà, il y a vraiment de très très belles illustrations, vraiment de très très beaux portraits. De tout type, en fait. Il y a vraiment voilà, un peu du dark, on va dire, avec des crânes, la moitié, etc. Mais c'est pas non plus du dark très. Vous voyez? Donc là, par exemple, un peu mystique, vous voyez? Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Là, dans les Indiens, etc. Avec l'attrape-rêve en forme de cœur. Enfin voilà, du coup. Et les portraits sont vraiment magnifiques. Ouf! On a là par exemple de la piraterie. Voilà, du coup en plus une femme. Bon, à l'époque sur un bateau, c'était pas trop ça. Et après, on a de la douceur, du mystique un peu. Enfin voilà, du coup j'aime beaucoup parce que en plus on peut utiliser tout ce qu'on veut. Donc on fait vraiment tout ce qu'on souhaite. Voilà, avec. Donc j'ai payé le lot 50 euros, un truc comme ça. Ah pardon, je suis vraiment désolée. Ah, je suis fatiguée en ce moment. Il est très très beau, regardez celui-là. Ah, c'est vraiment magnifique, hein. Et voilà, du coup, je sens que je vais me régaler avec mes. Oh, je sais plus comment il s'appelle, ces crayons de couleur haut de gamme, on va dire. Aquarellables, je sais plus. Mais voilà, franchement, c'est magnifique. Tout en douceur. Ah, oh, ouais, celui-là. Avec la lune. Oh, c'est vraiment. C'est magnifique. Mais un truc de malade, quoi. Vous devez pas le voir pareil. Enfin, vous devez pas le ressentir pareil. Mais moi, l'ayant entre les mains, franchement, voilà, encore une moitié avec un crâne. Voilà, il y a un peu de tout, de douceur, de dark, de féerique, voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. On peut faire de tout, quoi. Voilà, là, on a les fleurs, sur les tournesols, etc. Enfin, voilà, il y a un côté. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais, vraiment. Beaucoup, beaucoup. Il y a 25 illustrations. Bon, c'est mon petit regret en fait qu'il y en ait si peu. Mais sinon, ils sont magnifiques, quoi. C'est vraiment très très beau. Ouais. Et là, avec son sourire. Franchement, ouais. C'est vraiment très très beau. J'ai un moustique. C'est ma minette qui est en train de rêver.
Je sais pas si vous l'avez entendu. Il était en train de rêver. Encore, là, je l'entends. Voilà, c'est vraiment beau. Là, cette petite fille, vraiment très très belle. Elle est vraiment très belle. Oh, magnifique. Et là, voilà, ce papillon avec le visage à l'intérieur. C'est vraiment très très beau. Vraiment. Encore, on est dans le côté papillon là. Je sais pas si. Hein, voilà. C'est vraiment très très beau. Ouais. Avec l'oiseau là, c'est vraiment super beau. On peut faire de ces trucs. Vraiment quoi. Celui-là, un petit peu moins, je sais pas. C'est bon. Il y en a, bon, ils sont un peu moins, mais là, vous allez voir les autres. Quand je vais vous présenter les autres, vous allez voir, c'est complètement différent. Là, il n'y a pas le gresquet. Donc voilà, après on a le sommaire avec le nom qu'elle a donné pour chaque illustration. À nouveau, voilà, un petit pour colorier. Et puis voilà. Du coup, on arrive sur la fin. Et voilà. Du coup. Donc vous retrouvez sur Etsy. De toute façon, je vous mets les liens. Tout le lien, etc. en barre d'infos. Donc voilà. Du coup, je vous présenterai les deux autres également. Et puis voilà. Du coup, voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, si vous avez des questions, venez me voir. Donc voilà. Du coup, je vous fais des bisous et je voudrais et je voudrais. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, ciao.